Tindina gumba merayo.
nanga mokili oyo sola kinga ona mabenga na sala ki kasi o Yesu loko tinga yo limbisi mabe nanga. Personne n'est semblable à toi. Sois loué à jamais. Sois exalté à jamais. Nous t'exaltons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu. Il n'y a pas un autre comme toi. Matondo de mon continent. Na kombona Jésus Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Je te reçois au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui a envoyé cette parole. Que c'est notre mois de déracinement. Et sans un abisso y a déracinement. Tout ce qui est de ta vie qui perturbe ta vie soit déraciné au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Je pense parole. Amen. Verset biblique, il y a parole prophétique, il y a moi. Oui. Nous tous nous avions entendu le verset biblique de ces nouveaux mois. Na kolinga to banda kuna na to. J'aimerais que nous commençons là ce matin. Alléluia, Jésus. Matthieu chapitre 15, verset 13. Matthieu chapitre 15, verset 13. Verset 13, je lis au nom de Jésus. Mais lui répondant dit. Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Verset 13. Mais lui répondant dit, toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Toute plante que mon Père n'a pas plantée sera comment? Déracinée. Sera comment? Déraciné. Alléluia. Amen. Nous sommes dans notre mois de déracinement. Jésus a dit. Déraciné. Jésus a dit, si on a semé une mauvaise semence dans la vie de quelqu'un, cela doit être déraciné. Il faut la déraciner. Seigneur le picolama. Toute semence que mon père, c'est pour dire, na parcours na biso awa na se, na vie na biso awa na se, il y a des semences. Olinga, olingate. À la motion gentille, madame gentille, ou quoi que ce soit, passe masse mon corps et koya au visage embêté. Mais ce qui yo la n'a la place dans ce qui parce que la minute n'a pas arrêté, ça sera chaud ce matin. Ce qui yo aux autres la semence one au sali et le côté et le coyer soit au loba et allé yo et l'ingala et sali nini. Ça doit être déraciné. Et qui va déraciner ça? C'est toi-même. Amen. Et je vais te montrer. Jésus, par rapport à ce passage, veut nous faire comprendre qui que tu sois. L'homme le plus gentil du monde, il y a certainement des racines dans ta vie négative qui doivent être déracinées. Il y a des gens. Et ça n'a pas tout. Oyo, azo le kanaba, épreuve mokona mini chozo loba. Qui passe des épreuves en ce moment-ci. Parce que ma semence m'a fait écoti. Parce qu'il y a eu des mauvaises semences qui étaient là.
Peut-être avant ta naissance. Peut-être quand tu étais dans le ventre de ta mère. Quand tu as grandi. Quand tu t'es marié. Les semences viennent. Peut-être en débutant une profession quelconque. Alléluia. Amen. Peut-être dans une relation. Toute plante. Missisagnonso. Que mon père. Tata Nangai. N'a pas planté. Alonate. Et Kozala. Doivent être déracinés. Déraciné. Ekozalanini. Déraciné. C'est-à-dire, il y a des plantes. Ezaya Messissa. Des semences. Messissa. Qui est de Dieu. O Ezaya Nzam. Bankona ou Ezaya Nzam. Mais il y a d'autres semences. Bankona qui n'est pas de Dieu. O Ezaya Nzam bete. Il y a yo semences. O Ezaya Nzam bete. Na picoli na tongo alelo. Amen. Na déraciné ango na tongo alelo. Amen. Ta mauvaise semence ce matin, je la déracine au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Toute plante que mon père n'a pas semée. Ma titi n'y a pas de plante que mon père n'a pas semée. Cela doit être déraciné. Si tu ne déracines pas, ça grandira. Il continuera à faire son œuvre de dégâts. Et toi, tu grandis avec cette sémence négative. Qu'est-ce que tu devais faire? Ni ne singolo sala kasi. Déraciner. Solution. C'est ça la solution. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus a écouté sa mission. Jésus vient nous montrer. Dans Marc, Matthieu 13, verset 25 ou 26, à l'obi. Quand les gens dorment, alors, quand Batobaza kolal, l'ennemi vient. Monguna yé et semer. Yé konkona, les mauvaises semences. Matiti amabe. Sanala. Pe apotimba wakei. Yon sotozo mona yesu alobi ezalam. Yaliboso Matthieu 13, ezalam Matthieu 13, 25, 26. Ezo tali sabiso ke. Il y a de mauvaises semences. Dans tous les deux passages que Jésus nous donne, il veut nous montrer que Bankona ma bépé Zalaka. Pas seulement dormir physiquement, mais aussi dormir spirituellement. Quand les gens dorment, physique et spirituel, il y a des semences. Amen. Oyo, l'ennemi. Nathaniel Bison, c'est son ennemi. Yeso linga la kisabiso ete ezaka ka pongi ya musunite ya bomoto pongi pe ya molimo tango za kolala munguno alekana kawana pona konkona ma tita mabe Yesu omoko oyo asumukite. Jésus est le seul homme qui n'a pas péché. Seul homme oyo asumukite. L'homme sans péché. Merci. C'est ça le mot. L'homme sans péché. Mais Kasi, Azalaki n'a pas ennemi. Il avait des ennemis. Bongoyo. Et toi et moi. Nalobi bongoyo. Et vous et moi. Nalobi bongoyo. Et vous et moi. C'est masio so ba ennemi baloni na vi na yo. Na senza oyo to bandi exagéraciné. Amen. Pesanga amen ya malonga. Amen. Nalobi exagéraciné. Toutes semences que les ennemis ont semées dans ta vie soient déracinées en ces nouveaux mois. Alléluia. Amen. So, il y a des choses qui doivent être déracinées. Sinon, il faut déraciner avenir. Amen. Amen. J'aimerais que nous passons à la lecture de la version Semeur. Matthieu 15, 13 et Matthieu 13, 25. Matthieu chapitre 15, verset 13. Version Semeur. Il répondit, toute plante que mon Père céleste n'a pas lui-même semée sera arrachée. Sera comment? Arraché. Toute plante que mon Père céleste n'a pas lui-même planté. Planté.
sera arraché. Oyebi ko arraché no ko picola. Ko picola. Yes. Il leur répondit ceci, toute plante que mon Père céleste n'a pas lui-même plantée. C'est-à-dire, à Paya, Oyo, semence, Jazambe, na Vinayo. Il y a. Oh, ma chère. Yes. À part la semence de Dieu dans ta vie, il y a d'autres semences des ennemis. Il y a d'autres semences de l'ennemi. Et ça, c'est un bon souci à Banguna. Oyeba, Oyeba, Bangote. Que tu sois au courant ou pas. On dit Bangote. Que tu le crois ou pas. Et ça, bon. C'est comme ça. Mais qu'est-ce qui te dit? Il faut opicoler. Tu dois les déraciner. Ce que là, 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 si tu dors, te réveilles avec. Et continuellement, ça, là, va dégâts. Ça continuera de faire des dégâts dans ta vie. C'est souvent c'est là qui nous fait manquer le sommeil et la nuit. Parce que ngai na telemi watake zumo zamba zoite kukangula batu bituma ngai leki ya yo fois 10 fois 1000. Oui. Ma bataille à moi est supérieure à la vôtre parce que je me tiens devant vous. Nous les avons liés, mais toi tu les libères. Toi tu les libères. Nous allons voir. Ton combat devient mon combat. Si moi je ne fais que dormir, ah, c'est dangereux pour moi. Alléluia. Amen. 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 Il faut tout le temps aux alana. Il faut être en alerte à tout moment. D'être éveillé pour faire la bataille spirituelle. Alléluia. Amen. Amen. Il leur répondit, toutes les plantes que mon Père céleste n'a pas lui-même plantées sera arrachée. Matthieu 13, verset 25. Pendant que tout le monde dormait, voilà, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi monguna na ye sema alona ki une mauvaise herbe. Est-ce que balobi bon? Mauvaise herbe. Matiti ya mabende au milieu du blé na kati ya puis et a semence. Il a placé la semence et parti. Il sait que sa semence qu'il a semé continuellement pour ça là musala na yango verra yoka semence yo son avis na yo na picoli yango na tongo lelo. Amen. Et puis quoi mi na tongo ya lelo. Toute mauvaise semence dans ta vie, je le déracine, je la déracine au nom de Jésus-Christ. C'est notre chef qui a dit ça. Emmanuel, Dieu avec nous, c'est lui qui a dit ça. Dans les deux passages, c'est notre maître, notre roi, notre créateur Jésus-Christ qui l'a dit. Ni Paul, ni Apollos, ni qui que ce soit. Alléluia. Amen. Toute plante. Nkona nyonso. Toute plante. Nkona nyonso. Awa lobi. Pendant que tout le monde dormait. Tango bato nyonso baneko lala. Son ennemi. Monguna na ye. Sema. Alona ki. Une mauvaise herbe. Matita mabe. Au milieu du blé. Nakata matita malamu. Puis. Pe. Sanala. Akenda. J'ai mis ma semence. Ça fera mon œuvre après moi. Ainsi, fais attention, jeune homme, jeune femme. Aha. Qui est-ce que tu fréquentes? La sexe opposé. À cause de la même sexe. À cause de la montée. Mais ce qui a été ennemi, il y a une semence. Il y a un monde après quelque temps. Ça ne marche pas. J'ai fait ceci. Il est une semence. Ils n'ont pas battu. Et dans un blocage, c'est mince ces années. Et dans un c'est mince pourquoi. Il est un semence. Amen. C'est ta responsabilité. Et sans ça, déracinement. Amen. Ainsi, bien-aimé, fais attention dans tes fréquentations, les hommes ou les femmes que tu fréquentes, parce que tu peux voir une anomalie dans ta vie. Certainement, il y a une semence que tu dois déraciner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Version français courant.
Matthieu 13, verset 25. Une nuit, pendant que tout le monde dormait, un ennemi de cet homme vint semer de la mauvaise herbe. Un ennemi de cet homme. Monguna ya motoyo. Un ennemi de cet homme. Monguna moko ya motoyo. Venait semer quoi? De la mauvaise herbe et s'en alla. Quelle version? Version français courant. Un ennemi de cet homme. Monguna moko ya motoyo. Venait semer la mauvaise herbe et s'en alla. Il a semé sa semence, il est parti. L'obinan, la délivrance, l'obé mardi, n'est-ce pas? Oui, hier au conseil, pendant que j'ai recevé les gens, c'est un de mes enfants ici. C'est l'un de mes enfants ici à l'église. C'est l'un de mes fiancés. Mais en tout cas, il y a un nouveau modèle. Il y a cher, il y a 649. Et une jeune fille. Elle roule. Jeune fille. Elle roule, carrosse, belle carrosse, nouveau modèle. Et bas là, ils ont aussi maté. Mais elle cherche le mariage sans succès. Elle m'a rêvé la nuit. Elle est passée par une forte délivrance hier jusqu'à la fin. Elle était encore sous la puissance de Dieu. Cet esprit-là, depuis sa naissance, moi j'étais déjà en elle. Jamais elle ne peut se marier. Elle touchait les ventres et les dos. Cet esprit-là, paraphrasant en disant, elle ne peut aussi enfanter. Alléluia. Amen. Azul Kalibala. Elle cherchait le mariage. Est-ce que vous l'accès image? Merci. On a vu l'accès image. Mais t'as la moutre. On l'a montré son image. Elle roule carrosse. Son image de délivrance. Nouveau modèle. Elle roule nouveau modèle. 2020. 2020 en plus. Wow. Mm-hmm. Mais une semence qui nuit sa vie. Mais on a dit aussi, elle ne peut pas enfanter. Ainsi ton créateur et mon créateur, lui qui connaît tout, a dit que toutes ces masses que mon père n'a pas plantées doit être et singela me piko la main. Amen. N'a pas une illustration comme ça. Oyeba, n'a tombé au consomme na kanda ya boule. Si quand on a personne qui s'est moqué pour au sur la malam. Thème ya maté ya nangai osa commandant. Le thème de mon message. Loba naza commandant. Je suis commandant. Loba naza commandant. Je suis commandant. Tu es commandant. Commandant au geeky et commandant. Biso yo sotoza commandant. Nous tous nous sommes des commandants comme nous sommes là. Loba naza commandant. Naza commandant. Il faut commander des choses ce matin. Tu dois commander des choses dans ton avec valide. Autorité des noms de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu m'entends? Va au champ. Les laboureurs viennent labourer. Après, après qu'est-ce qu'il fait? Il peut prendre le maïs, les grains de maïs. Et il prend la semence, il plante. Amen. Est-ce qu'il y a eu à l'eau de mauvaise herbe? A-t-il planté la mauvaise herbe? La bonne. Il y a qui herbe. Mais dernier boule les obéta, ma camoiseau salima. Après quelques temps, on commence à dire, ah, ma matiti ma bé. Après les pluies, après les temps, c'est pas mauvaise herbe. Y a tes copicolango. Si tu déracines pas mauvaise herbe. Eh, mon coco, y a au monde, na ba semence na yo, na zamba ya ba matiti. Après un temps, tu verras la mauvaise herbe et la bonne herbe croître ensemble.
croître ensemble. Maintenant, qui viendra déraciner la mauvaise herbe? C'est toi le cultivateur. Si tu déracines pas, la mauvaise herbe, Amen. Yes. Plusieurs avant la bonne semence de Dieu en nous. Mais Kasi. Il y a d'autres semences étrangères. Et ils menacent semences qui menacent la semence de Dieu en Est-ce toi. Est-ce que tu comprends ma caméra zoloba? Comprends-tu mes mots? Tu sais que la semence de Dieu est en moi. Mais il y a d'autres semences. Il y a d'autres semences. Chaque jour, que je monte. Il y a distraction. Yes. J'ai maudit tous les jours. Qu'il soit un homme important. Qu'il soit une chose ou quoi que ce soit. Je dois accomplir la mission de Dieu dans ma vie. Yes. Et Seigneur n'a salé tinda ya nzambe na vinangai. Il y a des plantes de Dieu en toi. Mais il y a d'autres mauvaises plantes. Mauvaises semences. Corps étranger. Qui est en train de menacer. L'existence. Kozala. Croissance. Kokola. Et la bonne semence de Dieu en toi. Si tu ne les déracines pas, ça détruira ton avenir. Ça déracinera ton avenir. Est-ce qu'un enfant de Dieu doit être perspicace, persévérant? Tu sais d'où viendra la mauvaise semence? Ça peut venir la personne que tu aimes beaucoup. Mais tu ne sais pas peut-être que la personne ne t'aime pas. Semence ma bé. Et peut-être ami ennemi. À cause de la moubali, à cause de ami ennemi. Il peut être un ami ennemi. Est-ce que nous tenons à battre? Je prêche à quelqu'un. Toute plante que mon père n'a pas aimé, nous ce tatan anga l'onaté. Semé à l'obé doit être. Et singe l'ami et picolam. Amen. Linga la version mon nouveau. Matthieu chapitre 15 verset 13. Ye azongisa ki ete. Nzete nyoso oyo tata nangai ya likolo alonite. Eko pikolama. Matthieu chapitre 13 verset 25. Eko sala nini? Eko pikolama. Nani ako pikolango? Ngai na yo. Yango na lobi oza commandant. Tu es commandant. Oko sukasiko opona nini na lobi oza bato oyo batali statut nangai. Bamoni makambo na tindi eza tango nazo réfléchir nazo méditer na sosoli ke toza ba commandant. J'ai compris en méditant que nous sommes des commandants spirituels nous tous. Verset 25 Matthieu chapitre 13. Oui. Tango bato balala ki pongi monguna na ye ayaki kolona matiti mabe na katikati ya butu ya blé pe akendaki. Mais il est parti à laisser sa mauvaise semence. Toi, tu ne le vois pas. Mais sa semence est restée. My God. Tu salues la personne. La salutation d'une seconde là. Il parle, lui aussi parle. Mais il peut te laisser la mauvaise semence. Mon Dieu. Mon Dieu. Maintenant, si vous couchez ensemble avec la personne, la Bible dit, la Bible de Dieu dit, qu'un homme sort avec un prostitué, lorsqu'une personne sort avec une prostituée, ils deviennent une même chair. So, ça, c'est spirituel. Alléluia. Amen. Combien de semences, boni ma semence aussi ramassé sans qu'il y ait. Combien de semences as-tu ramassé inconsciemment? Et tu dors avec tous les jours. Tu ne les déracines pas. Mais après quelques temps,
Ça commence à déranger. Ça commence à déranger ta destinée. Ça commence à te faire mal. Tu oublies qu'il y a quelques années passées, quelques semaines. Amen. Toute mauvaise semence, je déracine. Je viens avec la mission de déracinement. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je viens en ce mois avec la mission de déracinement. Yes. Qui est en train de comprendre? Qui entend? Luc chapitre 17. Nous achevons à Luc chapitre 17. Ça, c'est la parole prophétique pour ce mois de septembre. C'est notre mois. Et ça, sans un abyssement. Déracinement. Et ça, sans un abyssement. Alléluia. Amen. Dans le Baki, mercredi, amen. Lobby, c'était hier. Le mardi, papa. Mardi. Les caractéristiques des racines. Ils sont toujours cachés. Racines sont toujours cachées. Mais si c'est bon, mamaka. L'œil ne voit pas. Deuxième. Ils sont toujours dans la profondeur. C'est pour cela que ça ne se voit pas. Détends-toi. Regarde ma fille là, qui était venue hier. Tu peux l'apprécier. Elle est bien assise dans la vie. Elle est jolie. Mais il y a ça ne va pas. Quand elle m'a vu, ok, ça tombe bien. Je reçois demain. Quand elle est venue, c'est sous la délivrance que la vérité a surgi. Sa naissance. Nous avons dit où tambo tamanaé. Semence. Nous avons dit vanda. Ok. Voilà, semence. Dès ça. Wana uta botama. Elle est qui 30 ans d'hier. Elle n'a pas plus de 30 ans. Elle est encore jeune. C'est-à-dire depuis 30 ans passés. 30 ans passés. Dès sa naissance. Uta botama. Semence wana ezalaka. Cette semence exista. Écoutez-moi bien. Semence wana ezozela ngonga. Cette semence attendait les bons moments. Alala kanango. Elle dort avec ça. Depuis Aza, un mois, bébé. Depuis, elle avait un mois. Deux mois. Une année. Deux ans. Dix ans. Quinze ans. Dix-huit ans. C'est moi, Azo, Zelangonga, Oyo, Libala, Nakobota, Ekoya. La semence était patiente. Pour faire sa mission négative. Est-ce que vous comprenez vraiment ce que j'ai dit? Mais Ezawana est comme moi. Ce n'est pas venu lorsqu'elle est devenue femme. Ezawana depuis sa bébé. Depuis qu'elle était fœtus. Ezosela. Ça attendait. Ngonga. Les moments propices du mariage et de l'accouchement. Pour la faire souffrir. Et déranger la classe. Elle dort avec et grandit avec. Elle sort et rentre avec. Mais la semence était là depuis sa Uta Botama. Toute plante qui m'ont c'est-à-dire il y a des plantes que le Père n'a pas semé dans nos vies. Et toutes ces plantes-là doit être arraché. Et c'est un ami picolama. Déraciné. Et picolama. Démoli. Et longwa. Et beba. Et zika. Maintenant, dans Luc 16. Dans Luc chapitre 16. Il nous a montré comment on peut démolir. Si c'est bon. Vous êtes des commandants. Et on a dit Oza commandant. Naza commandant. Luc 17, verset 6.
Luc 17, verset 6, version Darby, je lis au nom de Jésus. Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Verset 7. Et il vous obéira. Ok, oui, c'est ça. Et mais, qui est celui d'entre vous qui ayant un esprit? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, version semeur. Version semeur, Luc 17, verset 6. Si vraiment vous aviez de la foi, leur répondit le Seigneur, même aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à ces mûriers-là, arrache tes racines du sol et va te planter dans la mer et ils vous obéiront. Qui a dit ça? Non, il y a ce qui est dans Matthieu 13, 25, dans Matthieu 15, 13, dans Luc 17, 6. Tous ces passages, qui les a évoqués? C'est pas Paul, apôtre Paul. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui l'a dit. Le Dieu des esprits. Yes. Qui connaît les, qui il maîtrise les choses spirituelles. C'est lui le créateur. Il a dit, si vous aviez la foi, ce qui vous en a condima, leur répondit le Seigneur Jésus, même aussi petite qu'un grain de moutarde, vous pourriez commander à ce mûrier là, arracher tes racines du sol. Et va te planter dans la mer. Et il vous obéirait. Qui va commander? Amen. Osa commandant. C'est pour dire que Yoka. Ma plante yon soro yo tata zambé à l'onité. Toute plante que le père n'a pas semé. Yo en tant que commandant. Toi en tant que commandant. Il faut bana ko commander. Tu dois commander l'air déracinement. Stérilité. Stérilité kené. Impiacarisme. Impiaka. Kené. Blocage. Na picolio kené. Fibrom. Na longolo na libumu nangai. Cancer. Na longolo na tolo nangai. Manque d'élévation. Manque de révélation. Na longolo na moli monanga. Chômage. Na longolo na bomo nanga. Alléluia. Amen. Alobi oyo ko commander ngo longwa awa du sol. Kené kuda koya dans la main. Yes. Dans la sol, dans la main. Alobi ekoto sayo. Amen. Abegi yo commandant. Il t'appelle osa commandant. Si commandant. Commandant bon de la caté. Le commandant sa pesa kamiti. Yes. Commandant tinda kamiti. Yes. Commandant bon de la caté. Yes. Commandant tinda kamiti. Yes. Alléluia. Yes. Na tongo yelo na eko defie yo. Amen. Banda ko commander loko wana. Banda ko adresser loko wana. Yebisa ya longwa na vina yo. Sérité longwa na vina ngai. Il n'y a pas qu'à l'ongwa la vie. Banda ko commande, sort de ma vie. Sort de ma vie. Chaque nation sort de ma vie. Brossa sort de ma vie. L'ongwa. L'ongwa. Banda ko commande. Banda ko commande. Commande. Malade ou la maison de la yo, tu es commandant. Brossa commandant. Banda ko pico la yo. Brossa commandant. Brossa commandant. Brossa commandant. L'ongwa. L'ongwa, ma chebe de bébé, et kalaba shabadaba, agata gabata gaba. Tu es un commandant, commandez en guakene, commandez, bandako pesa metito, commandez en go, pesa metito. Yes. Un commandant abonde la caté. Un commandant.
commandant à bord de la cathédrale a dit de Kametindo. Il donne des ordres. Il a été dans la lobby. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est ton créateur. Jésus m'a dit en dehors. Jésus l'a dit. Le commandant ne supplie pas. Le commandant donne des ordres. Il a ramené les anges. Il s'est assuré. Le commandant ne supplie pas. Et ça ne l'a qu'on a des oignons qu'on a eu. Oyez na culte à guérison. Malade oyez na ngoana. Yé soyez mission. Avant que papa d'ailleurs appelle na la yango. Yé moko a sali au commandant. Pour obiko la malade des oignons qu'on a eu. Et ça la fibrom. Et ça la kiste. Si on a ta gaya ta gaya. Que l'été raciné. Mais que l'été raciné. Tu es commandant. Yes. Erebabababababa. Soko samelite bon abine yo moto ko samela bon oya zate. Voisin yo ko samela bon ayote. Tu es le maître de ta destinée. Esa metido. Si sa sobra. Esa metido. Si sa sobra. Iabayan erebasi. Yekede. Korebono shekaya baya. Zebro Kabaya Nereboshe Hinana Hayaboshe Humanama Hayaba Makayata Kaba Senereba Baba Iribo Senereboshe Simla Matali Susu Mata Mata Ko Mat Enflamme toi encore Bela Bela Lissusu Kokomi na mois septembre Kalamingi te décembre année zo sila est-ce que lingi ané sila la okaka bongo kaka nengo bandaki neo lingi ané sila non Yesu a révélé yo na tomo alelo oza mopesi mitindo oza commandant c'est élément bandako commandé pour la lobi na yo Pesa mitino. Masokotobo. Ega rabaya nereboshe. Deke. Oh yes, Pelisamoto. Iya barama nereboshe. Tu es commandant. Pelisamoto. Allume le feu. Osa commandant. Tu es commandant. Ayatagaba. Allume le feu. Ayatagaba tagaya tegele. Longola matiti, Yamabe. Yes. Longola matiti. Oh, écoute qui va confinement. Longola matiti, Yamabe. Heka. Tout à ta gamme. Heka la maya nerebose. Osa commandant. Tu es commandant. Et sous au produit à la maya. Tu es commandant. Et sous poto koto boko do boko seke. Osa commandant. Heka ya kata. Osa commandant. Tu es commandant. Je bénis cette service. Au nom de Jésus. Je les transforme dans le sang de Jésus. Yes.
Tindo, Bosa Mitindo. Yes. Ce monde de déracinement n'a déclaré je déclare tel que le Seigneur a dit les écritures, la semence que le Père n'a pas plantée doit être déracinée et c'est la même pique là-bas. Il y a d'autres semences étrangères. Pour nous dire qu'il existe des semences étrangères par la semence divine. Tel que tu t'en vas. Toutes semences étrangères. Je déclare sa disparition, leur disparition. Écoute. Avant qu'elle atteigne son objectif, je la détruis en toi. La fille, qu'elle m'a vu hier, dès sa naissance, où t'as abouti, elle attendait son mariage, ou lorsqu'elle aura besoin d'avoir un enfant, pour que ça paraisse. Maintenant, le temps est arrivé. C'est devenu compliqué. Pour que tu comprennes. Il y a des semences qui n'est pas de Dieu. Et ça, on a un Zambé. Mais il y a des semences qui est de Dieu. Il y a un Zambé Pesa. Cultivateur. Comme un cultivateur. Alors, une semence n'a qui sème sa semence. Et il rentre voir le mauvais semence. Que lui n'a pas planté. Toutes semences. Étrangers. Étrangères. Où Jésus étouffe semence à Zambé. Qui étouffe la semence. N'a démoli, n'a déraciné. Je la démoli. N'a démoli, n'a déraciné. Je l'ai démoli. Ozo kende, ozo songe na ba témoignage. Tu t'en vas et te rendre na Yesu Masi. Au nom de Jésus Christ. Kende na se angolo. Va sous cette grâce. Songe na témoignage. Reviens avec le témoignage. Et longa isa partage. La grâce est ton partage. Et longa isa partage. La victoire est ton partage. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Amen. So let me see.